Mbote, bana mboka, bana Congo, zalingai ndeko na bino jemadari vibi kilkilele, eleki mwa nikolo mingi, sanza mingi, nazali susu kuya na ba video te, amen, nazalaki malade te, nazalaki na bokono te, sauf ki one okipe, cherche a vivre et a survivre. Alors, ça a pris un peu du temps. Alors, le lon na lingina ya kupesa mwa liyano muke, epa ya ndeko na biso Jospin Loanga ou Lianga, a eskizenga iso ki nazo ku prononse mabe mkombo na ya fami. Eh ben, ndeko Jospin, nalandi mwa ba video na on ndambo, avec des journalistes, certains journalistes, na ba namboko ba zali ko tuna yo, Mituna, puis Zoko Yanula Bango. Eh bien, je sais que nous tous nous ne pouvons pas nous exprimer de la même façon, mais souffre que n'a pas sa remarque pas naïo. Mon très cher compatriote, la lutte que nous menons contre le racisme, c'est une lutte moko très âpre, lutte moko makasi, et poto longa yango. Nous devons y aller par la méthode pédagogique, kolobamalamo, kozala presete, et il ne faut pas y aller avec du fanfaronisme ou du populisme. Et, tu sais, la science ne crie pas, la science ne gronde pas. La science va lentement et produit des résultats probants. La science est mibeta katolote. Alors, makambo nyoso zokouta na monoko na yo, zali malamu, mais nous te demandons un peu de mettre du vin dans ton verre, comme on le dit, mpo batonyo so balanda, makambo nyoso oyo zokoloba. Tu dois éviter l'impressionnisme et puis la vantardise de chercher à montrer aux gens que oyebi mingi koleka bato nyoso. Vous savez, la lutte que tu mènes a déjà recruté beaucoup de combattants. Ngai kolutu na yo, koko na yo, papa na yo, moningawa, nous tous tozo kolanda nzela bao ba preseda biso ba Molakisi Sheikh Anta Diop, Molakisi Théophile Obenga, Molakisi Joseph Kizerbo, ya Burkina Faso, Naba Moussousou. Donc, Zali Komba Oyo Bandi Lelote, non plus, nous ne nions pas que tu peux faire plus de découvertes que celles-là que je viens de citer. Il y en a beaucoup. Il y a l'Mbombog au Cameroun, il y a le professeur Nasseri Omotunde, Jean-Philippe, Bazali Mingi. Mais alors, pour nous expliquer ce qui concerne la falsification de l'histoire Yabatumindo par Baoto Bengi Mindele, il faut y aller avec méthode, avec honnêteté, avec précision. Ne viens pas nous faire du populisme et de l'impressionnisme sur les écrans. N'a rappelé-moi Ndambo Mingi. La plupart des choses que tu dis, c'est, je ne te méprise pas, mais c'est du coq à l'âne. Ça montre que oui, tu as beaucoup lu ou tu lis beaucoup et tu amalgames tout. Et quand tu es devant les micros, eh bien,
Tu sautes de gauche à droite, du devant au derrière, et de tous les coins. Alors, tu finis par embrouiller et les auditeurs et les téléspectateurs. Quand on aborde un thème, on doit le décortiquer jusqu'à la fin avec méthode. Je pense que tu as quand même fait la dissertation. Et tu connais ce que c'est, comment on tacle des sujets pareils. La personne moins qui ça. Tu sais que tu n'es pas le premier à nous parler de Kimbangu. Il n'y a pas longtemps, j'ai tiré une vidéo à travers laquelle je parlais d'un certain Ntinutuzolana qui est venu emballer tous les Congolais. Il a fait des tournées au Bas-Congo, en Angola et à Kinshasa, où il a amené tout un groupe de gens sur une montagne qu'il a appelée Sesemangengenge, où il dit que les Kimbangu, Simo Kimbangu lui a dit d'aller lui construire des tabernacles, où il viendra s'asseoir, ou je ne sais pas faire quoi. Le reste des histoires, les gens peuvent suivre ça sur la toile. C'est tout le monde qui se fait appeler Ngunza, qui se fait appeler prophète, qui se dit que Kimbangu abimeli na rêve, Kimbangu abimeli na chambre amonié. Et ce qui m'a poussé à intervenir ce matin, c'est quand toi-même, na kati ya intervention na yo ngano di kotala, olobike, Kimbangu azali Nzambe. Bon, écoute, nous tous, nous avons une idée, une conception de Dieu et tout ce qu'on nous apprend au jour le jour, que Dieu, azali esprit, ou azali tout-puissant, azali omniscient, ceci et cela. Bon, beaucoup d'histoires, beaucoup d'adjectifs et d'épithètes qu'on colle à cette entité qu'on appelle Dieu. Alors, toi, tu dis que, invita qui est seul. On n'est pas jaloux que tu sois invité seul dans la République démocratique du Congo, ou bien sur toute l'Afrique. C'est toi qu'on a invité pour le 60e anniversaire, ya Oya. Et tu dis, tu certifies que là-bas, grâce à ta présence, eh bien, les présidents de l'Union africaine, bon, et les autres délégués sans doute, bandimi, que Simo Kimbangu Azali Nzambe. Ils ont reconnu le pouvoir de Simo Kimbangu. Mais écoutez, fichez-nous un peu la paix avec vos certitudes et vos déclarations comme ça. Est-ce que un Dieu a besoin qu'on le reconnaisse? Yves Sananobiso. Avec ce qu'on a comme conception de Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, il nous a créés, bon, il est le créateur de tout, de l'univers, toute cette salade-là qu'on nous fait avaler à tout moment. Est-ce que Nzambe Azan a besoin vraiment de reconnaître Yé? Si c'est lui qui nous a créés, qui a créé tout ce que vous appelez univers, pourquoi il doit attendre que les gens entrent dans une salle de réunion et le reconnaissent qu'il est Dieu? Pourquoi lui, en tant que Dieu, ne se fait pas voir? Pourquoi il se donne autant de la peine comme ça à se cacher devant ce qu'il appelle ses créateurs, enfin ses créatures, excusez-moi. Comment il peut se cacher? C'est comme nous, par exemple, nous sommes les parents, tu es père, tu es mère, et puis tu passes tout ton temps dans la chambre, tes enfants, tu ne vois pas tes enfants et les enfants ne te voient pas, mais tu veux que ces enfants-là se mettent à t'adorer, à te vénérer. Mais toi, tu te caches, mais ils ne te voient pas. C'est un peu ça l'exemple. Qu'est-ce qui empêche Kimbangu, que toi tu appelles Dieu, et tous les autres, tels que les Ntinu Tuzolana, les Tshikeva, ils sont nombreux, les Ngunza qui passent à la télévision, dans ce que vous appelez télévision Congo. Vous qui l'appelez qu'il est Dieu, avec toute la conception, comme je l'ai dit, que nous avons d'un Dieu. Pourquoi Kimbangu, que vous appelez Nzambe Dieu,
se cache co comme le Dieu des musulmans et comme le Dieu des chrétiens. Mêmement, le Dieu des juifs. Pourquoi ce Dieu se cache? Il se donne assez de la peine pour se cacher et il ne veut pas se faire boire. Il ne veut pas se faire voir et, paraîtrait-il, il doit utiliser des prophètes, des émissaires, des disciples, des messagers qui doivent venir nous berner des messages selon leur propre interprétation. Alors, toi, tu dis, on a reconnu Kimbangu comme étant un dieu. Ben, toi qui t'appelles scientifique et qui a créé un centre d'études scientifiques, comme tu l'appelles, écoutez, des propos comme ça va nous provoquer de la migraine dans la tête. Parce que nous avons une conception de Dieu. Il est tout puissant, d'après ce qu'on nous dit. Alors, c'est à ce moment qu'on a tellement besoin de Simon Kimbangu. Depuis 1482, quand Diego Kao a foulé ses pieds sur la plage du fleuve Congo, à côté de l'océan, c'est le premier jour où le Congo a embrassé la souffrance. Depuis le 15e siècle, on a jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Nous nous reconnaissons Simon Kimbangu comme étant un souverainiste, un indépendantiste, un compatriote, un patriote qui s'est battu comme les autres qui sont entrés dans les annales de l'histoire de la lutte de l'indépendance et de la libération du Congo. Mais aller l'appeler Dieu, bien que moi personnellement, je ne crois pas en Dieu, mais Tondi Makakake, Nzambe, Azali, comme on nous a inculqué, et que Azali n'a pas trait, n'a pas qualité, n'a pas Bible Sakabiso. Ça signifie qu'il doit être vraiment super puissant, hyper puissant. Mais qu'est-ce qui empêche Kimbangu de résoudre les problèmes au Congo? Pourquoi il doit attendre que les gens entrent dans une salle pour le reconnaître et écrire sur papier que non, pour reconnaître que Simon Kimbangu, Azali Nzambe. Et vous tous, vous les Bakongo, vous mobilisez pour chercher à nous berner encore, comme l'ont fait le chrétien et le musulman. Ce type-là que nous appelons par exemple Ntino Tuzolana, il a dit dans une de ses interviews qui est trouvable chez la toile, il a dit que lui, et le descendant de Nzinga-Nkoufou, un des rois Congo, et que il est un tout moi, il est envoyé pour venir corriger les erreurs commises par ce roi-là et tous ses descendants. Ce n'est pas différent de ce que Mahomet et les musulmans nous disent. Les musulmans, l'islam nous dit que c'est une religion qui est venue corriger les erreurs commis par les gens du livre ou le peuple du livre. Le peuple du livre, ça signifie les juifs. D'après les musulmans, eh bien, Allah aurait revenu un message aux juifs et avec le temps, les juifs ont dévié du chemin et ont raconté des bobards aux gens ou à leur propre peuple. Alors, l'islam est venu pour rectifier les erreurs commises par les Juifs. C'est à peu près ce que vous tous, vous nous dites. C'est à peu près ce que Ntino Tuzolana nous dit, que lui est venu rectifier les erreurs commises par ses ancêtres. Et toi, comme les autres, il n'y a pas que toi, hein, je ne te singularise pas. Il n'y a pas que toi. Vous continuez à certifier d'une manière conforme que Simon Kimbangu est Dieu. J'hésite un peu de dire que c'est grave. Peut-être vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, ou si il vous apparaît dans vos chambres comme vous le prétendez, mais dans un monde technologique comme ça, où nous avons des caméras, nous avons des appareils photographiques, nous avons des téléphones.
qui filme les gens. Qu'est-ce qui manque que bokangaye photo au kimbangu wana sika bimila kabino na toilette na chambre na bino ou je ne sais pas sur le chemin travail partout où vous allez boya kolaksa biso photo na ye. Bon, il n'est pas de notre génération, on nous dit qu'il est mort dans les années 50, quelque chose comme ça. Mais quand il vous sort comme ça, brusquement, vous ne pouvez pas brandir votre portatif et prendre sa photo et même enregistrer l'audiovisuel, au moins, tout le monde a eu. Mais vous devez cesser de venir nous déranger avec ce que... Azali Nzambe, ou mona ye wapi Azali Nzambe abimele. Bon, soki Azali Nzambe, qu'est-ce qu'il attend pour résoudre les problèmes du Congo? Qu'est-ce qu'il attend? Le Nzambe qui est hyper puissant, il attend quoi? Eh bien, vous gaspillez notre temps et ne nous demandez pas de ne plus suivre vos vidéos parce que c'est exposé pour tout le monde et vous tournez ces vidéos pour que bato batala. Et n'y a toujours qu'au tala. Après avoir visionné, nous remarquons que nous avons perdu du temps, que nous avons à faire à des revers, à des mythomanes, à des fous presque. Tout le monde vient dire ceci et cela. Tout le monde vient. Écoutez, tu nous racontes des histoires où tu as été au Japon, tu as été à Dubaï, tu as été en Égypte, par-ci et par-là. D'accord. On te les concède. Tu as été partout là-bas. Tu as été dans la bibliothèque d'Alexandrie, tout ça, d'accord, c'est mieux. Et après, le peuple noir, le peuple africain, en a besoin de la libération totale matérielle. Et peuvent venir nous raconter de bobards, que tout ça là-bas, ça va. Que tu es architecte, que tu es anthropologue, l'anthropologie c'est la mère des sciences, beaucoup d'histoires, tout ça on connaît, nous tous nous lisons tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce que tu racontes, à part nous raconter, nous faire les rapports de tes voyages, de tes péripéties à travers le monde? Où est le concret? Je pose la question. Kimbangu doit-il attendre être reconnu par des noirs africains pour qu'ils se présentent comme étant un dieu? Pourquoi il ne sort pas pour venir nous dire que c'est moi Dieu, c'est moi qui ai créé le monde? D'accord, s'il nous dit qu'il a créé le monde, mais qu'il mette fin à nos problèmes, qu'il résout nos problèmes, pourquoi il ne résout pas nos problèmes? Pourquoi il doit se cacher? Alors, vous emballez les gens dans un dédale de mensonges comme ça? Azan Zambé, Azalin Zambé, bon, il se bat contre qui? Na leadership ya Kibu Nzambe. Si il est Nzambe, si il est unique, d'accord, qu'il sorte de là où il se cache pour venir résoudre nos problèmes. Mais qu'on ne continue plus à nous abasourdir les oreilles. Vous savez, nous pouvons tout dire ce que nous pouvons dire contre le Mundelaire. Mais il y a une chose dans cette lutte. Et vous savez, dans toute lutte, hein, il faut chercher à connaître l'ennemi, où à les situer. Nous sommes en train de nous battre contre l'homme blanc. Nous tous, nous avons le vent en poupe, hein? Il y a un élan de lutte, tous, tous au Kubunda contre Mendele. Mais le Komoko, Obiso, tous au Zanga, Koyeba, Zali, Nini. C'est que Munguna Nabiso, Mendele, il a mené des études et il mène des études sur nous, Batumwindu. Dans ma étude scientifique, il a trouvé que Moto Mwindo azali na biloko biologiquement, physiologiquement, azali na biloko, azali na ba très mingi, rare et exceptionnel, ezali na nzoto na ye, oyo ezali na barasi mususu te. Nous devons nous le dire. Et il a mené ses études, raison pour laquelle Mundele, parce qu'il est complexé, Alingi a exterminé Moto Mwindo. Il a déjà réussi au moins à 60% ou à 80%. Pour Amérique, ils allaient qu'à occuper la Bendiété. Amérique, ils allaient qu'à occuper la Moto Mwindo. Je ne veux pas te raconter ça comme tu es un grand lecteur.
Du Mexique jusqu'au niveau du Chili, en Argentine, bah, noir basalaki, patumino basalaki. Il n'y avait pas que les Amérindiens comme on parle. Mundele, Abuma, Batunyoswana. Ce qui okina Azinyoso, Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, Vietnam, même premier empire yaba chinois, même na Japon, Zaliba noir ne bazalaka kuna. Et même jusqu'à aujourd'hui, tu peux aller en Chine, tu vas rencontrer dans les recoins, les milieux les plus retirés, tu vas rencontrer des noirs qui sont là. Oh, voilà qui s'accatait. J'en ai parlé plusieurs fois et c'est trouvable, il n'y a pas que moi qui peux parler de ça, c'est trouvable sur la toile, ce que ça les recherches n'ayons. Mounele a Boma Batonio Swana Banoir. La question est savoir, Azo Boma Batumundo, pourquoi? C'est à cause de la Zoko Yves Mounele a trouvé na banzoto na biso biloko o ezali et pas na bangote. Et biloko ezali pas na biso, ezali menace pour na existence na bango. Il y a par exemple l'élément qu'on appelle la mélanine. Je ne vais pas vous faire une leçon magistrale de la mélanine ici. Je pense que vos professeurs ou vos enseignants de biologie, et je sais que tous les Congolais qui est passé par les humanités a appris un peu de la biologie. Et soi-même, on peut mener des petites recherches, ça ne demande pas d'être savant pour se documenter sur ce que c'est la mélanine et sur les avantages de la mélanine. Oui, ils ont un autre la biseau. Barras mususu, ils allaient na yango, mais à moindre pourcentage différent la biseau ba noir. Mélanine, ils ont plus la biseau endurance, vitesse, rapidité, force physique. N'a beaucoup d'avantages. Oyo, Mundele azalaka na yangote. Et le Mundele continue à mener des recherches pour détruire force et mélanine. Pour l'information, il faut voir qu'aujourd'hui, Mundele va comment fabriquer mélanine synthétique. Pour pas s'injecter en go, bazalaneti, noir. C'est pour vous dire que Tozali na biloko ezali exceptionnel au ebangisaka ba mindeli. Alors, ils ne vont jamais cesser de nous combattre. Mpe ntango baye ko envahir Afrique. Ba moni biloko ba koko na biso bazalaka na yango. Oyo zo ko cité na interview na yo, oyo moni na musée Alexandrie, oyo moni na musée à Belgique na Ternevoren. Ngai pe nazalaka na Egypte na monaka yango na monaka biloko na kati ya nani ya nani ya ba ya ba pyramide, bien que je n'ai pas visité ba pyramide nyonso na kati na kutaka na kati ya moko kaka mais pas na profondeur. Biloko wana ya ba noir ezali kuna biso nyonso toyebi ke nous sommes le berceau de l'humanité ndenge balobaka yango, et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mensonge. Mayele na bango bayaka koswa bango pana biso pe baboma biso, tout ça c'est connu, raison pour laquelle ils ne vont jamais cesser ya ko combattre biso pe na koboma biso. Maintenant, nous ne devons pas seulement nous limiter dans des théories, dans des verbiages à venir impressionner les gens dans la télévision, raconter des histoires, faire les rapports de voyages qu'on a effectués. Centre d'ailleurs où créer ça doit produire, pas seulement de la théorie, comme Ntuzolana qui a écrit son livre Si c'est Koukiélé, et ça se limite là-bas. Aujourd'hui, les gens ont découvert que c'est un farceur. Vous voyez ça? C'est un farceur. Alors, monsieur Jospin, Luanga, ce que Luanga, comme on a eu, il faut oser la moi humilité. Quand tu parles à la télévision, mon cher petit frère ou mon cher fils, il faut otika journaliste ou moto ou azoko tuna yo mituna atuna ou mutuna mpeyo ou répondre, mais à t'entendre, à te suivre journaliste azana un mot yo déjà osana 10 mots ozoko interrompre, il n'y a que toi qui arraches la parole. Bon, ça c'est du populisme, ça c'est de l'impressionnisme et ça ne mène à rien. Ce que tu fais là et ce que les autres qui se
qui s'appellent les, je sais pas, les prophètes, ou je sais pas comment vous appelez ça en Kikongo. Les Ngunza, ce n'est pas différent de ce que les pasteurs font. Ce n'est pas différent. C'est chercher à distraire les gens. Or, nous ne sommes plus dans cette ère-là de la distraction. Non. L'éveil de conscience doit s'accompagner avec les actes. Et quand vous vous appelez des intellectuels, des scientifiques, mais produisez, prouvez ça. Allez à l'est, par exemple, du Congo, où il y a les gens de l'est, à part la rhétorique de Maï-Maï, de combattre, d'éveiller la conscience de tous les Kivusiens. Le Maï-Maï, les groupes d'autodéfense Kivusiens sont sur le champ pour produire ce qui est pratique, les actes pratiques, et non pas la théorie, comme ça se passe à Kinshasa, où tout le monde, à Zokoleka devant la télévision, où le bas français Moulay, analyste politique. Ça, c'est de la théorie inutile. Soyez pratique comme le Maï-Maï à l'Est. Et il en est de même dans tous les domaines. À Kinshasa, on est là, c'est seulement pour la danse, c'est seulement pour les églises. Raison pour laquelle les loyaux, Bakotelebino na Bandundu, Bakotelebino na Équateur, Bakotelebino na Congo, dans la province du Bas-Zaïre, du Bas-Congo. Moi, je ne connais pas ma division sur le Congo central, sur le Congo du Sud. C'est la province du Bas-Zaïre. Et vous êtes là, vous ne faites rien, et vous dites non, gouvernement Nabisso. Et il y a en aide. Ce n'est pas votre gouvernement. Ça ne demande pas des analystes politiques pour venir vous dire que vous n'avez pas un gouvernement. Parce que si gouvernement il y avait, la première des choses, Ezala qui, Ezala qui, Ezala, Kokangaba frontière, Ezala qui, Ezala. Kozala na armée na biso, Kolongola Kokanga, tous les envahisseurs. Que vous appelez des infiltrés parce qu'ils ne sont pas des infiltrés, vous les connaissez, vous vivez, vous buvez avec eux, ils ne sont pas des infiltrés, ils sont venus solennellement et vous les avez vus. Alors, si celui que vous appelez président, qui est un président illégal, ne veut pas les arrêter, ça signifie que Bino Moko, vous comprenez, vous êtes toujours dans la théorie comme toi, Jospin, comme Thomas Loaka qui raconte des histoires avec son émission, il connaît le Congo, il connaît les Zaïre, toujours vous venez avec vos théories. Imiter les Kivusiens, qui sont des combattants, qui sont les boucliers, les avant-gardistes, les souverainistes de la République démocratique du Congo. Ne vous limitez pas seulement à la théorie inutile, français, avec des émissions, tel journaliste, que vous appelez journaliste scientifique, journaliste investigateur. Il n'y en a pas au Congo, et je n'exagère pas, des journalistes scientifiques, des journalistes. Investigateur Yanine. Ces gens qui sont à la solde des occupants, vous appelez ça des journalistes, investigateurs, mais dès qu'ils ouvrent seulement la bouche, vous savez que c'est lui-ci qui critique, par exemple, Félix Tshisekedi. En même temps, c'est un supporter de Moïse Katumbi, c'est un supporter d'Hippolyte Kanembe, c'est un supporter de la femme de Kanembe. Un type tel que. Il s'appelle pas sur ce Louara, c'est qui? Quand Louara parle, oui, il dénonce des vérités que les gens des services d'intelligence lui filent. Mais à l'entendre parler, vous allez vraiment l'appeler un journaliste d'investigation? Alors que de sa bouche ne sort que la défense de Kanembe, de la femme de Kanembe et de Moïse Katumbi, il n'y en a pas. Donc, il y a un manque de patriotisme, il y a un manque de constance, et cela se retrouve dans Kati, Batidi, la Brunos. Il est temps de nous convertir au patriotisme et cesser la flatterie, la distraction, la badance. Pendant que les filles occidentales, et d'ailleurs, même orientales, sont en train de piloter des jets, Bafi et Nabi Sosoko au Fongoli, YouTube. Elle ne passe le temps qu'à danser, à montrer les fesses, à montrer les bouger, à montrer le visage, comment tout ce qui est basali joli, c'est tout.
elle passe le temps à montrer ça. Pendant que les autres filles s'attellent à des choses scientifiques. Il en est de même avec des garçons. Vous venez montrer des danses. Depuis que Tozan a acquis ça, vous ne faites que danser. Maintenant, le prochain concert, ça sera si c'est faire goro, si c'est faire, je ne sais pas comment vous appelez ce type-là, gora ou quoi. Bientôt, les gens viendront suivre le concert Naïe. Ça, est-ce que ça libère le Congo? Alors, contre l'attaque des Rwandais, des Ougandais et des autres, comme Kabila l'avait dit, prenez-vous en charge et cessez d'être berné par des gens. Alors, pour terminer, mon jeune frère Jospin, tu dois apprendre à bien parler. Tu dois mettre du vin, enfin de l'eau dans ton vin, pour okitamamoke quand tu parles. Ne viens pas nous faire des rapports, des choses inutiles que nous connaissons. Nous connaissons toute cette histoire là-bas. Que devons-nous faire maintenant? Vous venez nous parler de l'écriture que nous avons été les premiers à inventer l'écriture. D'accord. Où est cette écriture? Où est cette écriture? Pour la Kisango, nous n'avons pas besoin de demander la permission, la Mundele, pour pratiquer l'écriture. Nous n'avons pas besoin, Yamundele, que tout imposer la langue comme étant la langue administrative et officielle, et que ça cesse d'être seulement des langues nationales. D'abord, les quatre langues-là ont été arbitrairement choisies. D'après ceux qui nous parlent, ils nous disent que non, Wanande a langue, il y a un groupe ethnique, ce qui est faux. Les Mongo sont tellement nombreux, bien qu'ils font partie des Bangala, mais Bazali tellement nombreux, les Batete là sont des Bamongo. Le royaume Mongo, Zali Mounene, qui est en Équateur, qui est à côté de Bandoul. Pourquoi la langue de Bamongo ne fait pas partie de ces quatre langues qu'on appelle les langues nationales? Les Balega, qu'on appelle faussement les Barega au Kivu. Ils sont nombreux, ils occupent, je pense, quatre ou cinq zones. Shabunda, Mwenga, Pangi, Walikale, Bazali, Mingi. Pourquoi on ne prend pas leur langue parmi les quatre langues nationales? Yango Pesa, Tokumana, six langues nationales. À l'Afrique du Sud, ils ont neuf langues nationales, alors que l'Afrique du Sud est, je pense, deux fois moins grande que le Congo. Tout ça, c'est parce que nous ne voulons pas sortir des chemins battus par les colons. Et le relais au pays. Nous devons réviser beaucoup de choses, Monsieur Jospin. En bref, et en conclusion, Monsieur Jospin, je te demande où apprendre comment Koloba. Je sais que tu diras que qui est-il celui-là pour m'apprendre comment parler. Et je suis docteur en saisie cela. Ça, c'est rien, ça. Les conseils sont souvent gratuits. Vous ne payez pas pour ça, mais quand vous allez chez un avocat, ou vous allez chez un psychiatre, ou tous les conseillers possibles, on paye pour les conseils. Je te demande, aux Allah humbles, il n'y a pas que toi. Tu n'es pas ma cible. Et une fois de plus, je te dis que ce que tu fais est bon. Vous allez travailler et à recherche. Mais ce n'est pas ça la finalité. Nous devons aller plus loin que ça. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Kasavubu, de tous les Congolais martyrs et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. Bon dimanche. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo.com.
Congo-Solola.com avec Congo Dialogue. Congo-Solola. Makam, Wadangedi. Kitoko. Congo Dialogue.